actually. Yeah, it pulls apart like it's real. That's real. It doesn't smell real, though. It feels like carpet. I don't think some of this is real. No, it's definitely not. All of it? And he was like, you know, in the next 20 years, everything's going to be connected. Like, I see what you guys are doing. Like, smart. Like, you guys are well on the right track. Like, keep going. And then he's like, yeah, I looked at all the different things for your financial statements. He's like, we know you guys need salaries, but just not yet. Or something like that. Like, sort of saying, like, yeah, you guys got to be poor for a while. Like, kind of like jokingly. But it's kind of one of those things, too, where it's like, we can't have zero salary forever. Yeah, how do you live? Yeah. What is a startup? It's a really good question. Startup, on le traduit par société en amorçage. On peut le traduire de cette manière-là. C'est une société qui se crée et qui se cherche. Une startup, c'est des gens qui vont se regrouper avec une idée ou une envie d'avoir un projet et ils vont partir de rien. And these are companies that have, you know, only they've been around for a couple of years, maybe less. They're really strapped in terms of time and resource. I think that's probably the best way to describe a startup. So this is kind of the definition that I think we look at when we talk about startup. Quand on monte sa startup, ça prend énormément de temps. On doit y passer souvent ses journées et ses soirées. Aussi parce qu'il y a des gens qui probablement sont en train de réfléchir au même projet, qu'il faut aller plus vite que les autres. C'est beaucoup de décisions à prendre assez rapidement. Recruter des gens, des talents, aller voir les clients, les pitcher. Donc c'est très dense, c'est très, très stimulant, mais très prenant. Mais dans ces moments-là, on considère aussi que sa start-up, c'est comme son bébé, qu'on a envie d'y passer le plus de temps possible. C'est une génération qui a envie de s'inventer sa propre vie, de se créer son apprentissage. Et en fait, je pense que la start-up est le moyen idéal de faire cela. C'est-à-dire qu'à travers une start-up, il y a toute une aventure humaine. Donc c'est avant tout des hommes et des femmes qui se mettent ensemble pour construire quelque chose de plus grand qu'eux. Il y a un truc qui est fou, c'est que dans les start-up, une personne seule peut être capable de modifier la totalité d'une activité. Parce qu'un monsieur un jour a inventé Airbnb, il y a le milieu de l'hôtellerie, a changé d'une manière mondiale. Juste parce que quelqu'un, un jour, à un endroit donné, une personne a une idée et ça bouleverse le monde entier. Bon, meeting de la semaine. Donc là, comme je disais, c'est le dernier meeting avant qu'on parte à SF pendant une semaine avec Louis et Daniel. On va à un hackathon avec 42 US. Ensuite, on va rencontrer On rencontre l'écosystème américain. Très probablement des VC, des gens en tout cas assez intéressants, donc c'est bien. Ouais, ça va être d'art. Ça va être trop bien. Donc voilà, et concrètement, après, moi je prends mes vacances. Je ne serai pas joignable. Je serai dans les parcs nationaux à regarder les grizzlies. mais plus sérieusement, pour vous dire un peu comment on a commencé, on a fait notre première vente en novembre de l'année dernière. Fin novembre. C'est-à-dire que ça a pris un mois avant de faire la première vente. On a pris 30 élèves en un mois, quelque chose comme ça. Et je veux dire que vous soyez conscients aussi, quand c'est brutal, c'est brutal. C'est-à-dire que nous, on était que tous les trois à l'époque de 1 et de 2. En fait, il y a des gens, il y avait tellement de demandes qu'on ne pouvait pas le traiter. C'est-à-dire qu'en fait, on était là. C'était moi qui donnais les cours encore. Et voilà, et au début, en plus, c'était nous qui donnions les cours. La dernière, on y allait avec le couteau entre les dents, quoi. Looks fairly, like, consistent, like the data is like reading out as we'd expect it. Hey, it works. Ah. Opa! Don't do that. What do you mean? Hi! Good. How are you? Everything's so tired. Good. How is she? She's
Good, better? Yes, it's now better. Okay, let's go. Yeah. You complete, you complete. This is my class. Oh. Amma, bye. Bye-bye. Bye-bye. Salut, bye. Bye. Et elle travaille avec nous depuis un an maintenant. Yes. C'était notre première maman en fait. And I think I will also wear, you know, the tablier. Ah. So will we both meet my mama? Yeah. Okay. Yes, okay. Bah, je veux bien que tu me dises ce que t'en penses du texte. Okay. Alors, pour ce qui est de la mise en page, je sais déjà ce qui va pas. Ok. Par contre, tu peux me dire, genre, est-ce que tu peux le lire? Ouais, je te le lis. Ok, je te le lis, je te fais un feedback. Parce que je voulais faire une référence aussi à la guerre, mais en même temps, c'est un peu violent. Ouais, c'est un peu violent. Aussi, c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Ça, c'est peut-être un peu too much. Là, ça finit faiblement. En fait, moi aussi, c'est ça qui me gêne. Ça va, ça va. Dans les William, il a un radar à foutre. Non, mais c'est top parce que moi je l'ai relu 15 fois, mais à force de le lire et de le relire, je ne me souviens même pas. William, vas-y. Fautinator. Écrit C-France. Avec deux S. Avec deux S, tout court. Là, il faut que tu changes. Dans les books, quand tu m'as corrigé, tu as mis ES. Donc dans le book que j'ai créé, et il y a Masterclass. Tiens, ouais, c'est parti à l'impression ou pas? Ça n'est pas parti à l'impression. Moi, tu vas changer le parfum. Bah, change le parfum. Oui, bah. Parce okay. Que Masterclass comme ça, c'est très bizarre. En fait. En fait, c'est pas ma voiture. C'est que j'ai cassé la mienne hier. Je me suis pris un feu. En fait, j'ai foncé dans un feu. Comme une débile. Je pense que j'étais un peu trop fatiguée, je me suis assoupie. Et j'ai pas du tout vu le feu. J'ai même pas freiné en fait en le voyant. Parce que je pense que je dormais complètement. Le devant, il était complètement bousillé. Il y avait de la fumée qui sortait. Je me suis pris l'airbag du coup sur la figure. Et du coup, on a décidé de dormir un peu. Mais bon, quand t'es tellement pris par l'activité, t'as envie de bien faire, t'as plein de clients qui arrivent et du coup, tu te dis que bah il faut que je réussisse mes prestations, il faut que je développe l'activité. On se dit que c'est maintenant qu'il faut tout donner, donc on essaie de tout donner. So we would put like a sensor right like in the middle of that section. So okay. Ah oui, je prends plutôt de ta taille. Est-ce que tu peux? So, Do you know how many captors there will be in the? So there'll be a total of 2 per leg. So will you do something better? Like you are running fine, but if you want to run faster or to have the good tips not to have problems later, you should do like that and that and that. Yeah. Cool. And you do that only for running? Of like, for example, I do badminton. We're starting with running and biking. Yeah. Okay, we'll running and biking. Like okay. Badminton eventually. Yeah, because okay. It's more complex movement because you're like going forward and turning. Yeah, so. It is. Cool. Si tu veux me rejoindre. Ah, oui, ouais. Je suis près du pont Alexandre III. C'est près de les Invalides. Ok, vas-y. Et moi, je reste là et je sers le thé. Là, tu restes ici. Ouais, Asya ou moi, on se relaie et nous, on va servir le thé qui sera ici. Ouais, y a pas de soucis. Comme ça, il y aura quelqu'un devant qui se présente en même temps les mamas et en même temps qui accueille avec un verre de thé. Ouais, bon, il répond pas, il t'aime. Tu vas appeler ça commence. Non, je l'ai appelé. Elle répond pas. Et ça commence dans 20 minutes, normalement. Quand ils arrivent, on doit vite courir.
prévu. J'ai ma valise à faire. Ça m'angoisse un peu en fait. Bon voyage. Bah, merci. Et puis. Profite bien de tes vacances. Je ne veux pas avoir de tes nouvelles. Pendant une semaine. Promis. Promis, je ne fais rien pendant une semaine. Promis. Si j'ai de tes nouvelles, je serais fâchée. J'arrive, c'est le génie d'Alex, ça s'appelle. En fait, c'est vraiment, vraiment en dessous du pont Alexandre III. Vraiment en dessous du pont. En dessous du pont. En retard. Vas-y, t'es trop lourd? C'est trop la guerre pour avoir les bons devs, quoi. Alors qu'on est une trop super bonne boîte, tu vois. Merde. Donc bon.